Bienvenue à l'expérience en ligne de l'Église Essentielle. En cette veille de Noël, je t'encourage à envoyer le lien à tes proches pour qu'eux aussi puissent recevoir de Dieu durant le temps des fêtes. Maintenant, prenons un temps de louange ensemble. Bienvenue à ce temps d'adoration, à ce temps de louange, ce temps où on aimerait ça t'inviter à mettre de côté les difficultés, mettre de côté les inquiétudes, les choses qui ont alourdi ton cœur. Peut-être que tu as passé une semaine pas évidente, un mois pas facile, une année difficile, mais nous aimerons vraiment que ce temps soit un temps d'arrêt pour toi, un temps où tu décides d'oublier en fait ces problèmes-là et te focaliser sur ce qui est l'essentiel. Parce que nous croyons qu'au sorti de ce moment, les choses ne seront plus pareilles. Nous croyons que la perspective des choses que tu vois en ce moment sera totalement différente. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Moi, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi seul, les yeux fixés vers toi. Moi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Je veux t'élever, t'élever. Seigneur, t'élever. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Il y a un nom qui est merveilleux. Il y a un nom qui est glorieux. Il y a le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a le nom de Jésus qui guérit. Il y a le nom de Jésus qui transforme. Il y a le nom de Jésus qui console. Il y a le nom de Jésus qui relève. Il y a le nom de Jésus qui nous rend libres. Oh, invoque le nom de Jésus là où tu es. Invoque le nom de Jésus. Invoque le nom de Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand.
En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha et Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu peux déclarer le nom de Jésus où tu es et appelle le nom de Jésus. Et ce nom est merveilleux, ce nom est excellent, ce nom est tellement magnifique, ce nom est tellement puissant, ce nom est tellement vivant. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Oh, en ton nom, tout genou fléché. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Quel est son nom, Jésus? Appelle son nom, Jésus. Invoque son nom, Jésus. Oh, Jésus, il est merveilleux, Jésus. Il est glorieux, Jésus. Il a vaincu la mort, Jésus. Oh, Jésus, oui, nous t'élevons, Jésus. Nous t'honorons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Oh, Jésus, appelle-le, Jésus. Là où tu es, Jésus. Invoque son nom, Jésus. Oh, Jésus, le nom de Jésus, au-dessus de ton nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Merci à notre équipe de louanges de nous permettre encore une fois de toucher Dieu comme à chaque dimanche. À l'Église essentielle, on croit dans la puissance de la prière et on veut pouvoir prier pour vous constamment. Alors permettez-moi de prier pour vous ce matin. Seigneur, j'élève ton assemblée devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur, que ton esprit puisse continuer à nous guider vers notre destinée et à nous remplir de ton amour durant ce temps des fêtes. Seigneur, je déclare que tu continues à opérer des miracles dans la vie de chacun de tes enfants ce matin. On te remercie pour ton amour, pour ta paix et pour ta fidélité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. Sans plus tarder, je laisse place à Pasteur Georges. Bon message. Bon matin, Église essentielle, 24 décembre, la veillée de Noël pour nous tous. C'est le fun de venir vous voir aujourd'hui en ligne. Merci beaucoup d'être à l'écoute ce matin. Et je suis convaincu que vous avez été touchés par l'expérience d'adoration que notre équipe nous a donnée tantôt. J'aime adorer Dieu. J'aime sentir que Dieu est avec moi. La parole dit qu'il est là. Lorsque deux ou trois sont réunis, il est présent et qu'il vit au milieu de l'adoration de ses enfants. Quelle opportunité
que vous et moi, en adorant Dieu, on peut appeler sa présence dans notre vie. Tellement de gens se questionnent toujours, est-ce que la présence de Dieu est là? Est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce que je le sens? Est-ce que je ne le sens pas? Mais la parole dit qu'à travers l'adoration, la présence de Dieu se manifeste. Et je souhaite que ce matin de Noël, tu sois capable de toucher Dieu avec ton adoration. J'aime tellement que la parole, la Bible, Dieu nous a donné ce privilège-là d'avoir accès à Dieu, de fermer nos yeux, ouvrir nos cœurs et d'adorer le Seigneur. Quelle belle journée aujourd'hui, 24 décembre. Nous sommes à quelques heures de fêter Noël, qui est pour toi et moi, croyants, enfants de Dieu, une fête incontestable de se dire « Wow, un miracle glorieux s'est produit. » Voilà 2000 ans en arrière. Regardez qu'est-ce que Ésaïe avait dit dans la parole, dans Ésaïe 7, verset 14, ça dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. » Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Je suis tellement ébloui lorsque je lis ce genre de choses-là. Parce que ce que nous venons de lire, là, ce miracle-là, qu'une vierge a été touchée par le Saint-Esprit, qu'elle a engendré le Fils de Dieu et qu'elle a donné naissance à Emmanuel, ce qu'on lit là ne s'était jamais produit auparavant. Et attention, ça ne va plus jamais se reproduire dans le futur. Alors sachez que ce miracle unique-là de la naissance de Jésus, Dieu lui-même, incarné à travers la vie de Jésus, est venu marcher sur cette terre pour que vous et moi, on soit capables de le saisir, pour que vous et moi, on soit capables de voir en lui l'exemple de vie parfaite qui plaît à Dieu. Et plus que ça, il est venu mourir à la croix afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le plus grand miracle. Et j'aime une chose, et Église, vous m'avez sûrement déjà entendu le dire. Son nom est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. La présence de Jésus sur cette terre. J'ai été tellement ébloui lorsque j'ai eu l'opportunité, voilà quelques mois en arrière, d'aller en Israël et réaliser que Jésus-Christ lui-même, ses empreintes de pied, ses orteils avaient marché par là. Et dire, wow, le miracle se produit ici. À tel endroit, il a dit telle chose. À tel endroit, il a fait tel miracle. Simplement de penser qu'il est venu, qu'il est reparti et qu'il revient, mais qu'il est avec moi parce qu'il vit dans mon cœur. Quel privilège d'avoir Emmanuel, de ne pas avoir n'importe quoi ni n'importe qui, mais d'avoir Dieu qui habite avec moi. Vous savez, on dit toujours durant la saison de Noël que Christ est la raison pour cette saison. Et c'est la vérité. Le monde entier, la planète tout entière s'arrête aujourd'hui pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Imaginez l'impact que cette naissance-là a eu sur le monde, que toute la planète arrête carrément. Et c'est un congé mondial afin de célébrer sa venue. Si le monde, si le calendrier, si les politiciens de cette planète ont décrété un congé, un arrêt général pour sa naissance, ça veut dire qu'il a eu un impact important. Et cet impact-là doit être quelque chose qui m'accompagne ce matin. Vous et moi devons traverser cette journée de Noël en nous disant ceci. Il est avec moi. Il est avec ma famille. Il est dans mes projets. Les moindres petites choses de ma vie, il est concerné pour moi. Regardez ceci, quelque chose d'incroyable qu'on peut retrouver dans Luc 8 au verset 40. Luc 8, verset 40, Jésus avait déjà fait des miracles incroyables. La multitude le suivait. Il devait se déplacer dans des barques. Il avait fait des choses next level. Les gens voyaient à travers les mains de Jésus des miracles qu'ils n'avaient jamais vus dans le passé. Les personnes entendaient des vérités qui faisaient en sorte que leur cerveau se mettait à tourner plus vite et à voir la vie différemment, à un point tel que lorsque les gens l'écoutaient, ils disaient « Wow, quelle intelligence! » Quelle sagesse lui a été donnée? Ou des choses comme jamais on a entendu dire ces vérités-là. Et lorsque Jésus est arrivé à Luc 8, la Bible dit ceci, « À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. »
Lorsque je lis ce verset-là, ça me touche parce que c'est l'attitude que vous et moi devons avoir face à Jésus. La Bible dit qu'à son retour, quel retour? Dans Luc 8, Jésus revient dans Capernaum. Maintenant, qu'est-ce que Capernaum? Capernaum était la ville, était le siège social de son ministère. Aux alentours de cette région-là, Jésus a opéré 80% de ses miracles. Et la parole dit qu'à son retour, la foule était présente et il l'attendait. J'imagine la scène de Jésus arriver dans la barque avec ses disciples. Les autres barques, probablement, qui suivaient également. Et lorsqu'ils arrivent vers le bord de l'eau, ils voient la multitude de personnes en train de l'attendre. Pourquoi est-ce que ces gens-là l'attendaient? Ces gens-là n'ont pas le privilège que vous et moi, on a de pouvoir lire les évangiles. Les évangiles n'étaient pas encore écrits. Par contre, ces gens-là avaient entendu de bouche à oreille que Jésus-Christ revenait dans la ville. Et ils avaient entendu la renommée qu'il avait quand lui, les morts ressuscitaient. Ils avaient entendu des choses comme « Lorsqu'il impose les mains sur toi, tu es guéri. Les démons fuient. Des miracles incroyables arrivent. » Alors la multitude l'attendait. Et je réfléchis souvent à quelle est l'attitude que moi j'ai lorsque Jésus-Christ est là. Quelle est l'attitude que moi j'ai face à lui? Est-ce que je suis comme cette multitude-là qui l'attend, qui a envie de sa présence, qui l'appelle, qui a un cœur prêt et disposé à entendre sa voix? Église, vous et moi, aujourd'hui, nous devons développer ces attitudes-là que ce peuple-là avait, un peuple humble, un peuple simple, mais avec un cœur prêt pour recevoir le Sauveur, avec un cœur prêt pour recevoir Jésus. Et lorsqu'il est arrivé, il a opéré des miracles incroyables encore et encore. Le mot d'ordre dans l'Évangile, c'est qu'à chaque fois que Jésus s'est pointé à une place et les gens l'attendaient, et les gens avaient la foi, des miracles se sont produits. Vous savez, lorsque Jésus, à quelques reprises dans les évangiles, ça mentionne qu'il n'a pas pu opérer aucun miracle. Imagine le manque de foi. Imagine le cœur endurci, celui qui avait opéré des miracles dans le village voisin. Celui qui avait révolutionné le quartier d'à côté avec sagesse, avec puissance, qui avait guéri des malades, avait délivré des possédés, maintenant vient dans un quartier X et rien ne se produit. Quelle tristesse d'avoir celui qui est capable de faire des choses impossibles dans notre vie. Quelle tristesse d'avoir celui pour qui tout est possible et que rien ne se produit. La clé numéro un, pour que lorsque Jésus s'en vient vers moi, le cadeau parfait de Dieu aujourd'hui, tellement de gens vont recevoir de cadeaux. Dans quelques heures, les familles, les enfants vont déballer les cadeaux que vous leur avez préparés. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu aussi, voilà des années en arrière, nous a préparé le cadeau le plus parfait. Et ce cadeau-là, c'est la personne de Jésus-Christ qui est venu habiter, vivre ici, nous montrer comment être en relation avec Dieu, comment recevoir le maximum du ciel, est venu pardonner nos péchés, nous donner accès et surtout le privilège d'être appelés des enfants de Dieu. Lorsque je lis ce verset-là, je suis touché par la foule l'attendait. Est-ce que tu l'attends? Ou est-ce que tu le négliges? Est-ce que tu l'attends? Ou est-ce que ton cœur est endurci? Est-ce que peut-être les années ou les mois que tu as passés à vivre des circonstances difficiles, des situations compliquées, t'ont refermé l'esprit? Et malheureusement, même si Jésus est là, même si dans l'adoration il est présent, il ne peut rien faire dans ta vie parce que ton cœur est fermé. J'aimerais que tu puisses avoir la même attitude que ce peuple-là. Jamais eux n'ont eu accès à lire des évangiles. Par contre, ils entendaient parler de lui. Et tout ce qu'ils ont entendu de lui a fait exploser leur foi à un point tel que lorsqu'ils ont su qu'il s'en venait, la multitude est sortie l'attendre. Aujourd'hui, j'aimerais te donner une réflexion sur cette leçon-là. Attendre en lui. Dire, Seigneur, je le sais que je vis des circonstances. Je le sais que je fais face à des situations. Ou je le sais que des fois, ce n'est pas simple. Mais ces gens-là vivaient dans la même planète que vous et moi. Malgré leurs difficultés,
malgré leur extrême humilité de vie, ils attendaient celui qui était capable de faire le changement dans leur vie. Ils attendaient celui qui avait la clé du royaume des cieux pour que leur vie soit transformée à tout jamais. Vous et moi aujourd'hui, on a ce privilège-là de se dire, Seigneur, je suis ici, tu es là, œuvre dans ma vie, transforme mon cœur, touche mes pensées, afin que je sois quelqu'un de disposé et prêt à recevoir de toi durant cette journée de Noël-là. Reçois le plus beau cadeau de Dieu. Durant cette journée de Noël, sois conscient dans ton âme, dans ton esprit, que le miracle que Dieu a fait ne se reproduira plus jamais. Il n'y aura pas un autre Jésus qui va venir. Il n'y aura pas un autre sauveur. Christ est notre seule option. Il a dit des choses tellement puissantes comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller vers Dieu si ce n'est par moi. » Alors, si vous et moi, on est des croyants, si vous et moi, on est dans la foi, on saisit alors que la seule façon que nous avons d'avoir accès à la vie que Dieu a pour nous, de pouvoir profiter pleinement de l'amour, de l'harmonie, des bonnes choses que Dieu nous a préparées, c'est à travers Jésus-Christ lui-même. Ces gens-là l'attendaient. Qu'est-ce que le mot « attente » veut dire? Le mot « attente » veut dire « prêt à recevoir ». L'attitude d'attendre. Ce n'est pas une attitude d'être là à ne rien faire, à compter les minutes passées. C'est de se lever et de dire « Je vais aller me placer dans une position où Jésus va être afin que je puisse recevoir de lui. » J'aime tellement que ces gens-là ne sont pas restés chez eux à attendre que Jésus marche par leur quartier. J'aime le fait qu'ils n'étaient pas dans un parc ou dans la synagogue ou dans un lieu public à attendre à ce que Jésus aille vers eux. Mais lorsqu'ils ont entendu qu'il s'en venait, ils sont venus l'attendre au bord de la mer, l'accueillir. Imagine l'urgence de se dire, « Seigneur, si tu vas faire un seul miracle aujourd'hui, que ce soit le mien. » Seigneur, si tu vas répondre une prière aujourd'hui, Seigneur, que ce soit ma prière. Seigneur, si tu vas faire quelque chose de glorieux aujourd'hui, que ce soit dans ma vie, Seigneur. C'est l'esprit que vous et moi devons avoir. L'esprit de Noël est un esprit de célébration où Dieu lui-même a envoyé son Fils afin que nous soyons réconciliés avec lui, que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Vous et moi, croyants du Nouveau Testament, sous la nouvelle alliance de la grâce, nous devons avoir cette révélation-là. Jésus est venu, celui que les prophètes avaient prophétisé. Celui dont nous voyons dans chaque page de l'Ancien Testament s'est incarné dans une journée de Noël comme aujourd'hui, afin que l'humanité soit changée et devenir l'espérance du monde. Si Jésus est l'espérance du monde, combien pas plus ne doit-il être mon espérance à moi? Mettre ma confiance en lui. Parce qu'il a dit des choses comme « Tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. » Il a dit des choses comme « Des choses encore plus grandes que celles que j'ai faites, sont celles que vous pouvez faire. Parce que moi, je vais voir mon Père et tout ce que vous allez demander en mon nom, il l'accomplira. » Regardez ceci. C'est pour ça que ces gens-là l'attendaient. Jésus avait fait une prière devant la multitude et il avait dit, « Seigneur, je te donne louange, gloire et honneur parce que tu entends ma prière et tu m'exauces toujours. » Comment ces gens-là n'allaient-ils pas courir vers lui lorsqu'il remarquait que Jésus priait et le ciel s'ouvrait? Comment ces gens-là n'allaient pas courir vers lui lorsque la parole dit qu'il marchait dans la puissance de l'Esprit de Dieu? Et vous et moi, la parole dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et que le même Esprit qui était en lui et en moi, que la même puissance qui opérait en Jésus-Christ, opère à l'intérieur de ma vie également. Alors aujourd'hui, dans cette journée de Noël, vous et moi devons réfléchir à ces choses-là. Oui, Marie allait accoucher. Oui, son fils, c'est Emmanuel. Mais dans ce paquet-là de Dieu avec moi, il y a tellement de choses glorieuses qui l'accompagnent pour ma vie. Où je ne suis pas appelé à être seul, mais maintenant, je suis appelé à que Emmanuel soit avec moi. Et si Dieu est avec moi, si celui qui a créé le ciel et la terre se promène avec moi, alors qu'y a-t-il d'impossible pour moi? Ces gens-là l'avaient compris.
C'est pour ça qu'ils n'étaient pas assis dans leur salon à attendre, mais ils se sont déplacés. Ils ont été le voir, lui dire, « Seigneur, fais quelque chose pour moi. Fais quelque chose dans ma vie. » Et la Bible dit que dans Capernaum, pratiquement toutes les prières, toutes les requêtes, tous les malades qu'on lui a amenés, tous les possédés qu'ils lui ont amenés ont été délivrés, ont été guéris, ont vu la gloire de Dieu. Même les morts ont ressuscité à Capernaum. Pour quelles raisons? Parce qu'il y avait une atmosphère de s'attendre à Dieu. Il y avait une atmosphère de foi. Il y avait une atmosphère de comprendre que celui que Dieu avait envoyé avait une haute valeur, que celui que Dieu avait envoyé, si je connectais avec lui, ma destinée allait changer. Cette multitude-là l'attendait. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que toi, tu l'attends également? Ou tu laisses seulement les journées passer? Tu laisses seulement les mois filer et il n'y a rien qui se produit parce que peut-être ton cœur, ton esprit est fermé à cause des mauvaises circonstances, à cause des situations compliquées. Et malheureusement, tu es rendu dans un engrenage où oui, tu vois des miracles, mais ça se passe dans le village d'à côté. Où tu entends parler des choses que Dieu fait, mais ça se passe dans une autre maison et non dans la tienne. Ces gens-là avaient le secret parfait. Ils se sont dit, pour aucune raison, on va laisser passer celui qui a toute la puissance pour transformer notre vie et que rien ne se produise. Allons courir vers lui. Durant ce message que je fais aujourd'hui, 24 décembre, à quelques heures de Noël, j'aimerais t'inspirer à aller courir vers lui, à lever tes mains dans l'adoration, à dire, « Seigneur, me voici, mon cœur était refroidi. Seigneur, peut-être j'ai manqué de foi. » Peut-être j'ai manqué de croire, mais je le sais que tu es encore Dieu. Je le sais, Seigneur, tu es assis encore dans ton trône et tu as toute la puissance. Et je veux avoir la même attitude que ces gens-là ont eue, de t'attendre, de courir après toi. Église, moi, je t'inspire à croire que le meilleur est devant toi. Rappelle-toi toujours, ces gens-là étaient malades et ils savaient que la guérison s'en venait. J'imagine les paraplégiques, j'imagine les aveugles, j'imagine les sourds, j'imagine les parents de ce jeune-là qui ne pouvait pas marcher, voir au loin la barque de Jésus arriver et commencer à s'exciter à l'intérieur de eux, commencer à se dire des choses comme « notre secours s'en vient ». J'imagine ces parents-là anticiper le miracle, que lorsque Jésus allait débarquer de la barque, il allait transformer la vie de cette famille-là. Durant cette même saison aussi, c'est l'esprit que tu dois avoir. Dire, Seigneur, si tu viens chez moi, si tu rentres dans ma maison, tu vas transformer tout ce qu'il y a à l'intérieur et plus jamais notre vie va être la même. Je veux t'inspirer durant ce service en ligne de Noël à croire et à croire une fois de plus, comme Abraham, espérance contre toute espérance. Seigneur, fais-le encore une fois. Peut-être tu as déjà reçu de Dieu quelque chose ou peut-être tu es en attente. Mais laisse-moi te dire ceci, si tu es en attente, tu es à la bonne place. Les gens qui ne reçoivent rien ne s'attendent à rien. Mais toi qui es là en train d'attendre la manifestation de Dieu, tu es probablement le prochain dans la liste. Durant ce service, crois avec moi que Dieu va faire des choses incroyables. Ayons le même esprit, ayons le même sentiment, la même émotion que ce peuple de Capernaum-là ont eu, qui se sont dit, Seigneur, puisque tu t'en viens, je vais m'assurer d'arriver en premier. Je vais préparer mon cœur, préparer mon esprit, saisir la foi, saisir qu'avec toi, il n'y a rien d'impossible. Et Seigneur, je m'attends à recevoir. La parole dit, l'homme indécis ne reçoit rien de Dieu, mais celui qui est convaincu voit sa prière exaucée. Celui qui a un rêve, une vision, celui qui croit, voit les miracles. Et moi, je le sais que vous et moi, on est ce genre d'église-là qui croyons dans les miracles, qui croyons que tout est possible. Alors, durant ce Noël-ci, que ça soit un changement de mentalité pour toi et pour moi, où on va se dire, Seigneur, comme le peuple t'attendait, je t'attends aujourd'hui. J'attends mon miracle. J'attends la manifestation de ton esprit. J'attends, Seigneur, que durant ce Noël, durant cette saison de célébration, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons,
Mais nous savons, Seigneur, que tu veux répondre à nos prières et nous désirons nous approcher de toi. Le secret de ces gens-là, c'est qu'ils se sont approchés de lui. La parole dit, la foule l'a reçu, la foule l'attendait. Est-ce que tu veux faire partie de cette foule-là? Moi, je t'invite à faire partie de cette gang-là qui s'attend, espérance contre espérance, à que Dieu fasse quelque chose dans leur vie. Que ce Noël de 2023 soit le moment de ta vie où tu viens avoir cette expérience-là de te transformer en quelqu'un qui va s'attendre en Christ, qui va s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose et qu'à partir d'aujourd'hui, ton style de vie, ton mode de réflexion et ta foi s'enlignent avec ces personnes-là, avec ce que Dieu veut faire et que tu vois des choses glorieuses arriver dans ta vie. Permets-moi de prier pour toi pour que ce miracle-là se produise. Ferme tes yeux avec moi pendant quelques instants et dis-lui, Seigneur, à la lumière de ce message, toi qui es Emmanuel, Dieu avec moi, je veux avoir cette même attitude-là, ce même cœur que cette foule-là a eu, d'aller t'attendre, Seigneur, d'aller créer un environnement où tu vas te manifester dans ma vie, un environnement d'adoration, un environnement de foi, Seigneur, de recevoir de toi. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, pour chaque personne qui écoute ce message, qu'il soit transformé à ton image, qu'il puisse, Seigneur, avoir ce sentiment-là de vouloir s'approcher de toi, d'invoquer ton nom et de s'attendre à des grandes choses. Que Noël 2023 soit le Noël qui change toute votre histoire, qui transforme ta foi, qui révolutionne ta façon de penser, parce que tu décides d'appeler le nom de Dieu, de vivre avec lui. Toute ta vie va changer, ta famille, ton futur est garanti entre les mains de Dieu. J'espère que ce message-ci t'aide à t'approcher du Seigneur et que tu puisses recevoir tout ce qu'il t'a préparé. Je profite pour te souhaiter un très joyeux Noël. Profite avec ta famille, tes amis, tes bien-aimés. Célébrez celui qui est né pour transformer notre vie. J'ai très hâte de vous voir bientôt. Passez un excellent réveillon, une très belle fête de Noël et on se voit très bientôt. Soyez bénis. Merci à Pasteur Georges pour un message si inspirant. Nous nous attendons à Dieu en tout temps et nous croyons que Dieu est capable de faire arriver notre barque au bon port. Dieu, ce matin, souhaite connecter avec toi et souhaite ne jamais quitter ton cœur. Et si aujourd'hui, c'est ton désir de te reconnecter avec lui, je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur ce matin. Pardonne mes péchés, Seigneur, et fais que je sois connecté avec toi pour le reste de mes jours. Je veux apprendre à te connaître plus et vivre ma vie en harmonie avec toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, je t'invite à nous envoyer un DM sur Instagram à EssentielMTL ou bien sur notre site internet essentielmtl.com pour qu'on puisse connecter avec toi et t'intégrer à la vie de l'Église. C'est déjà l'heure de se quitter bientôt, mais avant de partir, j'aimerais pouvoir partager une pensée avec vous. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et fonctionne avec des règles spirituelles. Et j'aimerais partager une de ces règles avec vous, qui est la règle de la semence. Si on va dans 2 Corinthiens 9, versets 6 à 9, ça dit « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse donner notre offrande en pleine conscience que Dieu est celui qui est capable de pourvoir et qu'il va pourvoir à tous tes besoins de façon que tu puisses être aussi une bénédiction pour chaque personne autour de toi. Alors, si tu crois ça ce matin, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui donne ce matin. Je te demande de pouvoir multiplier leurs offrandes, Seigneur, que chaque
montant qui est mis, Seigneur, aujourd'hui, puisse servir à de bonnes œuvres. Seigneur, dans le nom de Jésus, je réclame dans le nom de Jésus que plusieurs personnes vont être bénies à travers ces offrandes. On te remercie et on te donne louange, gloire et honneur dans le nom de Jésus. Amen. Église, n'oublions pas que nous sommes cette semaine en semaine connexion. Participez aux activités de votre clique, célébrez le temps des fêtes ensemble. Et de toute la part de l'équipe de l'Église Essentielle, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Rendez-vous la semaine prochaine en ligne pour le dernier message de l'année. À bientôt.